Vraiment pour nous, et comme toile de fond pour nous capables de déraper, d'adire prédication matin. Alors, si nous avons titré prédication matin, nous avons dit c'est, et nous avons dit, route que chrétien a pour faire, il doit faire en trois étapes. Nous juste prenons un passage dans l'Ancien Testament pour quelle raison? C'est parce que nous considérons que l'Ancien Testament c'est l'ombre et le Nouveau Testament c'est la réalité. Ça veut dire quelque chose qui dit dans l'Ancien Testament, il y a un accomplissement dans le Nouveau Testament. Donc, tout ça qui était écrit dans le Nouveau Testament, yo, nous dit c'était prophétie qui était et il y a un accomplissement yo, dans le Nouveau Testament. Par exemple, même à la mort de Jésus, et 24 heures avant la mort de Jésus, il y a un paquet de prophéties nous dit qui arrivait dans 24 heures avant la mort du Seigneur. Donc, il y a 24 prophéties qui accomplissent. Donc, pour la vie du Seigneur, il y a 109 prophéties qui accomplissent. Donc, la Bible, c'est comme ça que lui-même lié. Si nous prenons par exemple dans l'Ancien Testament, il est considéré le temple de Dieu. Mais nous dit, temple dans l'Ancien Testament, c'est là que Dieu était habité dans une partie qui était renée, lui très saint. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui s'aligne comme réalité, puisque c'est ton homme que tu es, dans le Nouveau Testament, il y a l'église du Seigneur. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même l'y habitait dans sa propre église. Donc, c'est ça qui est lié. Donc, c'est peut-être ça, nous prenons pas ça, parce que la vie d'Israël lui-même, ici, nous sommes capables de dire que Israël, c'est lui-même qui était le premier peuple, bon Dieu, dans l'Ancien Testament. Mais nous dit que, comme c'était une prophétie que Dieu t'a fait dans Genèse chapitre 12, lorsqu'il t'a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, nous qui faisons partie des nations, Dieu t'a guettant, fait promesse ça que nous-mêmes, tout avons une bénédiction en Abraham. Même si Israël était jeune, une bénédiction terrestre, mais nous-mêmes, nous voyons une bénédiction céleste. Donc, c'est peut-être ça, nous dit que la vie Israël, nous capables de transporter les paroles, ça nous capables de transporter les pour la vie, pas nous tous. Israël te doit faire un voyage en trois étapes. D'abord, le peuple s'est trouvé dans une situation difficile parce qu'il était en esclavage. Il était dans la servitude qui bat Caïphe Pharaon. Maintenant, Caïphe Pharaon, c'est que Pharaon, c'est Dieu étranger que lui-même lui servit. Timounio, c'est Dieu étranger qui l'a servi. Mais est-ce que Timoun Zayo était pour Dieu étranger? Non. Nous dit que c'est tombé ou tombé dans la situation ça, mais il y a un vrai Dieu qui est grand-papa et lui-même qui t'a servi. Donc c'est peut-être ça. Un jour, Dieu t'a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, il dit avec Moïse, moi tendez, crippez moi, moi ouais souffrance. Il dit, moi-même, m'a descendu pour me délivrer. Ça, c'est un mot que moi-même, moi toujours aimé en pile. Pour nous montrer que, il est toujours question de Dieu, mais pas de homme. Car on ne peut pas déifier un homme, mais Dieu seulement lui-même qui sait Dieu. Car tout le monde, c'est Moïse qui allait vers Caïphe Pharaon. Mais moi, lui-même, il est bien clair. Dieu dit Moïse, ma voyo, et il dit lui-même, c'est moi-même même qui descend pour me délivrer le peuple là. C'est Exode chapitre 3, le verset 7. Il dit, l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri. Et il dit, je suis, verset 8, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Amen. Donc ça veut dire, un serviteur de Dieu, c'est juste un instrument. Parce que c'est avec ou pour Dieu servi pour qu'arriver sous l'homme, parce que Dieu est esprit. Il n'y a pas qu'à venir parler à l'homme comme ça, peut-être qu'il n'y a pas l'avoir dans des visions, dans des songes ou quoi que ce soit. Mais venir prêcher comme ça, non. Ça, c'est un modèle divin. Car depuis dans l'Ancien Testament, Dieu toujours servi avec des hommes pour parler aux hommes. Mais des hommes que lui-même lui choisit, que lui met l'esprit sous lui. Parce que Moïse ici, lui trouvait dans la présence de Dieu. Parce que son côté, Moïse était habitué à venir. Mais une fois il vient, il y a un bagage inhabituel. Il y a un tout bois qui a boulé, qui a du feu dans la tête et pas jamais boire du feu. Il est obligé à avancer pour voir qui ça. Mais c'était la présence de Dieu. Et Dieu dit qu'on s'est retiré sous les lampes parce que quand on est à son dessin lié. Mais normalement, Moïse, il faut le réfléchir pour lui dire, mais non, m'habitué vient là déjà. Qui est là ton lieu saint? Non, mais là où Dieu lui-même lui présente, là son lieu saint. Amen, 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 amen. Donc ça veut dire si on l'église, Dieu n'est pas présent là-dedans, nous dit que l'église n'est pas sanctifiée. Amen. Donc c'est ça lié dans la réalité. Donc c'est peut-être ça. Ou même tout pour se saint, il fallait que Dieu habite en dedans. Donc, côté que Dieu est sanctifié et nous dit que zone ça sont zones saintes.
Et il dit que l'a descend lui-même pour venir délivrer le peuple. Et il bat Moïse des signes. Et il dit que c'est lui-même qui a venu et il y allait. Il allait avec Moïse et il allait la délivrer le peuple. Et nous dit ça, son première étape qu'à Israël, c'est la sortie de chez Pharaon. Ça veut dire qu'il faut être sorti quitter qu'à Pharaon. Donc ça veut dire pour sortir en servitude, sortir en bas Satan le diable. Maintenant, si le Seigneur finit de faire Israël sortir qu'à Pharaon et faire quitter Pharaon, ça veut dire Pharaon c'est le monde. Ça veut dire qu'il doit mal dos pour le quitter. Mais maintenant, il y a l'autre bagaille qui est intéressant. Il dit, laisse partir mon fils, mais lorsqu'elle quitte le Pharaon, mais faut qu'on bagaille, il va le faire. Le Seigneur, l'Éternel Dieu bien dit, pour qu'il me serve. Ça veut dire, c'est pas seulement quitter le Pharaon, mais c'est quitter le Pharaon pour aller servir le vrai Dieu. Amen. Donc ça veut dire que c'est quitter le Pharaon pour aller servir le vrai Dieu. Donc c'est ça que Israël lui-même lui gagne, que lui-même lui doit le faire. Mais nous dit que, il y a une bagaille que nous remet dit dans ça, c'est que, est-ce que vous êtes capable de servir un monde qu'on ne connaît? Non. Ou pas qu'à servir un monde qu'on ne connaît. Est-ce qu'on a fait un service tout sans pas qu'on modalité service ça? L'un dit ça, ça veut dire sans doué fait. Côté qu'on a commencé, côté qu'on a fini. Donc Israël, il laissait qu'à Pharaon, c'est vrai. Il dit Dieu de vos pères, l'Éternel, Yahvé Dieu, il voyait chercher pour venir servir. Maintenant, peuple là, à partir de tout miracle, Moïse lui allait avec le peuple là. Mais le peuple a finalé, le Seigneur Dieu t'a dit comme mot d'ordre, c'est pour qu'il me serve. Si vous prenez par exemple dans l'ordre naturel, si vous m'avez marié avec un caille, alors nous puissions prendre ça en Haïti, lorsque il a besoin d'embaucher les gens qui sont servants. Maintenant, si il prend les gens qui servent dans la Nigvini, il met les gens là et puis il dit les gens, bon, je paye autant de copes seulement, et je paye 50 dollars par mois et puis il est fini. Ok, il finit de dire ça. Mais maintenant, si un jour, il a trouvé ses ventes dans la chambre marine, qui a fait ménage là-dedans, est-ce que madame ça, il a le droit de dire pour le blême, il a ses ventes ça? Non. Non? Ou pas le droit ça? Parce qu'on n'a pas de balle modalité de service là. Donc il fait service que le côté de l'homme, quand il a le moyen de parce qu'on n'a pas de dire rien. Donc ça veut dire que ou doué, dit mon nom, ça pour le faire. Maintenant, quand il y a là, c'est vous-même qui pouvez négocier à mon nom ou dire mais. Mais je ne veux pas entrer dans la chambre, ça parce que c'est chambre marine. Je ne veux pas manger tel côté. Mais chambre ça, c'est tel pour entrer là dans le petit monde ou quoi que ce soit. Et puis, mon nom, il y a n'importe quel monde qui est là. Il y a au-delà de son dit là, il y a un ça au cabane. Parce que vous débattez. Mais c'est la même chose liée pour Dieu tout avec Israël. Dieu, pendant qu'il a quitté Israël, sorti en Égypte, c'est Dieu Pharaon qui le connaît, c'est Dieu ça le connaît. Il était même genre avec monde en Égypte. Il était semblé avec eux. Ça veut dire, ils ont habillé les mêmes gens, ils ont parlé les mêmes gens, ils ont fait toute bagarre les mêmes gens. Mais maintenant, sous sorti, si Israël sorti, il fallait que Dieu lui-même lui passe dans la deuxième étape avec Israël. Et deuxième étape, ça, Dieu menait Israël, et lorsque Israël arrivait devant, dit tout près des heures là, sur le mont Sinaï, avant qu'il attaque des heures là comme une deuxième étape, eh bien, Dieu dit avec Moïse, fais peuple là, lui-même mettez le prêt. Il dit, je vais monter sur mon là pour me parler avec le peuple là. Ça, c'est Exode chapitre 19. Il montre le peuple là, moi-même, c'est moi choisi. Ou c'est un peuple pour moi. Une nation c'est pour moi-même. Amen. Et il dit, au cougné là, il dit avec Moïse, mettez-le là, moi-même, je vais parler avec eux. Et dans Exode 20, Dieu a commencé. Ça, c'est la c'est modalité. Ce sont les modalités de service que Dieu va le bailler. Dans Exode chapitre 20, Dieu a commencé toujours. Il dit avec Israël, Israël. Il dit, tu n'auras, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la main de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, son premier bagaille. Il ne doit pas qu'il doit avoir l'autre Dieu devant, face pas. Et puis il dit, tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel et ce qui est en bas sur la terre. Ou pas qu'il doit faire statue ni pour adorer statue. Et puis devant dans l'histoire, ça, ou pas, ouais, ça peut arriver. Pendant que Moïse déplaçait, il quittait Aaron avec le peuple là. Et le peuple a dit, Moïse allait par contre ça le devenir, font-il bœuf en or pour nous-mêmes pour nous adorer. Maintenant, les adorer, lui, Dieu dit avec Moïse, bon problème en bas, descend à le garder. Et là, il est arrivé, nous tous connaissons l'histoire, comment que mon Dieu commence à touiller. Pour qui raison touiller? C'est parce qu'elle t'a dit déjà, ou pas qu'il doit faire ça. Donc, s'il ne fait pas ça,
Il n'y a pas de droit faire, rien, il n'y a pas de droit faire ça. Donc ça veut dire Dieu, lorsque il sortit dans l'étape ça, avec Pharaon, et puis il mène le peuple là, dans la deuxième étape ça, ça veut dire son étape de séparation. Ça veut dire, lorsque la première étape qui soit l'étape de sortir, il faut que la deuxième étape qui soit l'étape de séparation. Séparation, on veut dire, ou pas agir, contrairement par rapport avec le monde, côté habité, même côté avec eux avant. Ça veut dire, le monde qui a Pharaon, il a été notre Dieu, ou même le tape servi. Maintenant, il y a un même Israël, ou pas qui doit faire ça. Et là même il continue toujours, il y a Israël, il y a un paquet de bagailles. Donc ça veut dire que Israël, il y a la parole de Dieu, dans même il y a là qui pour mettre à part. Donc ça veut dire, c'est le moyen pour Israël, pour ne pas sembler avec l'autre monde, il faut rester exactement dans ça, Dieu dit là. Et pour rester dans ça, Dieu dit là, qui c'est la parole de Dieu, exactement, on va prendre compte que la vie Israël est différente de l'autre vie par l'autre monde. Et on va prendre compte ça qui va arriver Israël, puis devant. Puis devant Israël a copié sous mon yo, il a tellement copié sous yo, il m'a demandé pour qu'on roi. Et même dit ça, il dit, bah nous, moi, même je l'autre nation, même bien roi sous yo. Pourtant, c'est Dieu qui roi yo. Samuel plaît, ça, il dit, non, mais si nous pouvons roi, mais ça qui a privé, mais ça qui a privé, il dit, non, il n'y a pas besoin qu'on ait. Même je l'autre nation, mais on pas qu'il doit copier sous l'autre mounio. Parce qu'on parle même avec yo. Quand Dieu était doux, ça déjà, parce que moun sa yo, yo te mon chemin, Dieu retire la donne, il met ton autre chemin, kounya li même li bon modalité yo. Ça veut dire bon parole, li, c'est la donne qu'on doit rester. Et ça a coûté Israël cher. Ou à ça que yo bali. Et c'est une bagaille qui rend que la vie Israël difficile. Pendant toute vie, li, Israël, la ville difficile net jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu lui-même, dans son grand amour, tout ça qu'il dit, il n'y a pas de souli. Donc Israël lui-même il gagne pour le jeune là côté lié à il gagne pour le délivrer quand même. Ça veut dire quel que soit l'ennemi qui en face Israël, Israël a privé quand même pour la victoire parce que c'est Dieu qui t'a dit ça avec Abraham. Ça Dieu dit pas qu'à mentir. Donc c'est peut-être ça il est toujours bon même les nous-mêmes en tant que nation à prier pour Israël car c'est Dieu qui dit ça. C'est de la parole de Dieu. Donc nous devons prier pour Israël dans toute difficulté qu'il y a mais c'est parce que t'es sorti sous l'ignan et qui mettait dans situation ça mais nous dit que Dieu, dans son grand amour, l'a permis que lui-même tout est capable de retourner. Et le traversée du désert, c'est une étape, deuxième étape, qui était un petit genre difficile pour le peuple, parce qu'il était doué mettre en application toutes les paroles de Dieu. Et chaque fois, il sortit sous la parole de Dieu, il y a des bagailles qui allaient mal pour lui. Et c'est raison ça qu'il le faire, ou pour rendre compte que Timon Israël, dans tout ça qui était sorti en Égypte, ou pour rendre compte que c'est deux mondes seulement qui revient à destination. Donc c'est Caleb avec Josué seulement qui rivait entre Canaan. Raison parce que le peuple a été très désobéissant par rapport avec la ligne que Dieu bali pour ne pas sembler à l'autre monde. Il vient dans toute ville pour sembler avec l'autre monde. Donc il n'y a pas de droit comme ça. Ou c'est Israël, un prince avec Dieu, ou pas de droit sembler avec l'autre monde. Parce que l'autre monde, il y a l'autre Dieu, mais ou même il y a le vrai Dieu qui est Yahvé. Et troisième étape là, c'est une étape côté que le peuple lui-même y a traversé Jourdain pour entrer en possession. Et depuis passer des heures là, depuis arriver devant Jourdain, pour la troisième étape là, le Seigneur parle faire un miracle, a fait Jourdain lui-même lui ouvrir. Et nous dit Jourdain lui-même, Jourdain voulait dire. Nous dit Jourdain, nous a dit spirituellement, lui symboliser la mort. Ça veut dire, il fallait que. Ou jouer avec Dieu. Ça veut dire, c'est comment on va traverser Jourdain. Il faut traverser Jourdain en vie pour arriver dans tes promesses-là. Ça veut dire que tout le monde qui t'a passé Jourdain en vie, il est arrivé dans tes promesses-là. Donc ça veut dire, il faut traverser la mort en vie. Et comment pour le monde traverser la mort en vie? Pour traverser la mort en vie, il faut avoir Jésus-Christ dans vous. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Donc quand tout le monde a la vie, même si la mort a venu, il vient jouer nous dans le corps, on va y aller parce qu'il faut venir quand même. N'importe où, non. Mais lorsque la mort vient, ou même on va passer la vie. Parce que on va tout traverser pour aller dans tes promesses-là. Donc Israël traversait Jourdain, arrivé dans tes promesses-là. Donc tes promesses-là, lorsque arrivé là-dedans, c'est la victoire finale. Amen. Donc il symbolisait, troisième étape-là, il symbolisait le baptême du Saint-Esprit. Donc ça veut dire, c'est troisième étape pour le peuple, ça, pour arriver là. Et lorsque arrivé là, Dieu bon bagaille que dit. Il dit que lorsque nous arrivons dans tes promesses-là, c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient habités là déjà. Quand il y a des gens qui étaient habités là-dedans. Mais Dieu n'a pas besoin de faire ma déposséder. Et il dit pas rien qui doit arriver nous là. Parce que c'est là où l'on veut que arriver là. Ou pas rien qui ou pas perdu encore. Non. Ou pas perdu encore.
Donc ça veut dire, et vini vos situations, lorsque devant peuple Aïa, qui sont petit peuple tout petit, une situation grave qui passait. Nous perdons n'importe 50 combien grand homme. Josué dit, bon problème là, font camper, parce que un petit problème qui va marcher. Il est ce qu'on tient qu'il rejoigne que c'est Akan qui volait l'ingodoshime, il te dit ça livré tout par interdit. C'est ça la parole de Dieu. Et de Cyril, eh bien ça vient fait que le peuple a affaibli et puis. Il tombait là parce que là t'es gonflé parce que Dieu t'a bien dit depuis entrée canarien c'est victoire net c'est déposséder tout le monde pour toi parce que c'est possession oui c'est ça que dit. Donc ça c'est la vie Israël en trois étapes et que nous capables nous-mêmes nous capables prendre comme exemple nous-mêmes pour nous traverser la vie par nous qui c'est les nations parce que pas Israël a des physiques et puis pas nous lui-même les spirituels. Amen. C'est peut-être ça nous toujours dit nous-mêmes nous dans le repos. Les enfants de Dieu font ça pas. Hein. Donc, ils ont toujours dit que moi, je fais ça pas. Mais l'homme dit son côté qui est toujours partant. Moi, je suis toujours dans ça pas. Donc, c'est pour un jour que y est. Parce que lui dit, n'importe monde qui est chargé, fatigué, dit, je m'en bon repos. Donc, ça veut dire que il écrit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Amen. Donc, ça veut dire, le aujourd'hui, c'est votre sabbat. Ça veut dire, quand on saisit aujourd'hui, on vient de le Seigneur, ou tout entre dans le repos, ça, c'est votre sabbat. Et on dans le repos, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même ne vienne pas. Amen. Donc ça veut dire quelque chose qui était physique pour Israël, nous-mêmes, les vignes spirituelles pour nous. Amen. Pour les nations, première étape là, il n'y a pas l'autre bagaille, sinon qui étant donc justifié par la foi. Amen. Donc la justification. Justification, vous voulez dire qui ça? Quand Dieu justifié, vous voulez dire qui ça? C'est comme si nous avons dit moi-même, je vais couteau mal dans le jardin, le père dit. Maintenant, il est garé dans le jardin, il ne va pas venir. Mais un jour, quand ça va rentrer dans le jardin, et puis moi, il et puis, je me prends, il me dit, oh, gars, petit couteau. Et puis, je me prends. Donc, là, ça me dit, ça, c'est pour moi, moi, justifié. Donc, c'est la même chose pour moi avec vous. Ça veut dire, nous, t'es sale, nous, t'es dans le monde. Amen. Nous, t'es dans le monde, mais un jour, Dieu décide lui-même. Il dit, ouais, nous, dans le monde, là, parce que c'est pour lui, nous. Eh bien, il décide un jour, il prend, nous, il dit, non, ça, c'est pour moi. Il dit, David, c'est pour moi, frère Jean, c'est pour moi, frère Cass, c'est pour moi, frère Janak, c'est pour moi, il me prend. Ça veut dire justifier, il dit ça, il n'y a pas tenu avec moi-même. Donc ça, c'est la justification. Donc, et l'apôtre l'a dit, il fallait que justification, ce n'est pas la foi. Et comment on a la foi? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, c'est en écoutant la parole de Dieu ou qu'on a la foi. Donc, courtant de la prédication de la parole de Dieu et pour peser, parole là, lui-même, l'esprit qui se trouve dans cette parole qu'on a écouté, il faut travailler dans l'intérieur. Comme on a la Pentecôte. Il dit que il senti que vraiment cœur touché et obligé demander. Donc c'est peut-être ça les serviteurs de Dieu de prêcher la parole comme Paul dit à Timothée prêche la parole. Donc ça veut dire c'est en écoutant la parole, la prédication de la parole de Dieu que y a un monde qui dans le monde capable toucher. Et nous dit que dans le monde tout le monde mourir net. Pas que monde dans le monde qui a conscience. Chrétien seul qui a conscience. Non tout le monde mourir net. Et qui lève un monde dans le monde qui est dans le sommeil de la mort. Et nous dit, c'est lorsque lui tendait la parole de Dieu, et puis l'Esprit de Dieu lui réveillait, lui tapait, lui réveillait dans le sommeil là. Et à ce moment-là, il reconnaît que côté lié à, c'est pas place par là. Et lui réveille dans le sommeil là, il laisse le prendre conscience, mais le monde n'a pas gagné conscience. Donc c'est ça que lié. Mounan et Mounan lui vient mettre la foi. Et la foi permet que Mounan lui-même, puisque lui justifiait le Seigneur et l'Éli, eh bien ça permet que lui-même. Et une ordonnance que Dieu baille pour nous commencer la vie chrétienne avec lui-même, c'est le baptême. Le baptême d'eau, ça va sauver le monde, mais c'est juste une ordonnance. Une ordonnance pour commencer à vivre avec le Seigneur. Car lorsque nous finissons de baptiser, nous dit que nous recevons cet esprit comme don pour permettre que nous sommes capables de recevoir enseignement. Après ça, nous chita dans l'enseignement pour être capable de mener une vie avec le Seigneur. Parce que la vie. Dans le Seigneur, il fait en trois étapes. D'abord, il fallait que vous justifiez. C'est le Seigneur qui choisit vous. Donc, baptême d'eau, il entre directement dans l'assemblée locale. Ça ne peut pas voir ici, on vit une grande assemblée. Ça. Maintenant, il fallait que vous continuiez toujours pour une deuxième étape. Lorsqu'on finit justifié, maintenant, il fallait que vous séparation qui fait. Car quand on est là, c'est peut-être ça, Dieu voit l'esprit pour qu'achita, pour tendre enseignement. Et enseignement lui-même, la place ou la place exacte qu'on doit y avoir. C'est l'enseignement qui parle d'où, mais non. Et si le monde agit tel genre, ou même ou pas qu'il doit agir tel genre, l'enseignement de la parole de Dieu. Comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11,
lorsque la parlé pour nous montrer que pas de moyen pour nous-mêmes, pas 11, c'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 6, lorsque la montre que et séparation avec le monde, pour nous montrer pas de comme une maison entre fait noir avec lumière, entre ceux du monde avec nous-mêmes. Amen. Mais nous rendons compte que souvent, dans l'église, nous avons toujours voulu copier sur le monde. Mais ce n'est pas bon. Parce que le monde a fait pas, mais nous-mêmes, nous avons fait pas. Donc, à faire pour là, toute modalité là dans la Bible. Donc, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui pour nous, ou même mais comment doit mener vivre. C'est même genre comme frère Jean démontré le tap dit d'aller à la. Dans ça que ce atelier, dans la bouche ou pas qu'il doit sortir. C'est vrai. Le monde lui-même, il doit comme ça. Le monde dans ça, le plaisir. C'est pas les gens mal, détruit les gens avec bouche, mais au moins pas comme ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a qu'une parole mal passe dans la bouche. Nous pas qu'il doit calomnier les gens. Donc ça veut dire, on rend compte que lorsque ça tombe, on pas qu'il doit la donner. Parce que, ou même, on veut un modèle pour là. Donc ça veut dire, il fallait que l'église de Dieu, il fallait que, d'ailleurs, mon église avait dit, c'est Ecclésia que l'avait dit. C'est hors d'eux que l'avait dit. Donc ça veut dire, mon église a même tout dit ça. Hors d'eux, l'avait dit qui ça. Là, on dit hors d'eux, c'est parce que vous dans le monde. Comme Jésus-Christ est prié, il dit, il y a un monde là, mais il n'y a pas du monde. Ça veut dire, il y a vivre sous la terre, même pas même avec Mounio. Amen, amen. Oui, donc nous pas même avec Mounio. Donc ça veut dire que nous pas pour nous copier sur nous. Bon, yo même yo pas voulu copier sur nous, nous même. Nous pas qu'à copier sur nous. Si nous disons, vini, yo pas vini. Yo pas qu'à demander nous pour nous vini nous même. Pourtant, c'est nous qui avons bonne place là. Donc c'est ça, souvent, moun dans le monde toujours prétendent que c'est eux même qui ceci, c'est eux même qui n'ont bonne place là. Mais c'est juste un fait que ça t'a metté. Il fait le monde il gagne toute richesse. Mais il y a un monde qui gagne, on s'en même temps de dit ça en l'air. Il dit que serviteur mon Dieu, c'est parce que c'est Chanel qui fait pas riche. Parce que sous garde grand homme d'ancien temps, Abraham, tout est riche, Jacob est riche. Mais bon bagage que serviteur, monde qui dit ça, il ne va pas comprendre. Il dit que tout serviteur longtemps, il a fait riche, c'est vrai, c'est des biens. Parce que c'est ton bagage physique pour eux-mêmes. Mais quand là, nous dit qu'il change en spirituel, nous sommes riches. Oui, mais c'est Dieu pas vienne bail. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire pour la grâce, Dieu avec les nations, il va vienne bail richesse matérielle. Non, il vienne bail richesse spirituelle. Amen. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er. Il dit nous bénis par toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Si on parle de les célestes en Jésus-Christ, là, il n'y a pas de l'argent. Non, c'est la bagarre. Amen, amen, amen. Non, pas grand, il n'y a pas de la terre en l'air. Donc ça veut dire, ouais, que bénédiction que Dieu lui-même lui bat, nous, on son bagage spirituel que nous. Donc ça fait bagarre à tête. Donc, bon Dieu dit déjà, il dit qu'on est nous là, il dit qu'on tout ça nous a besoin. D'ailleurs, une bagarre qui est importante à l'église, c'est que ni moi ni vous la vie tracé déjà. Amen, amen, amen. Oui, c'est ça qui est important, la vie tracé déjà. Et je dis, par expérience, c'est vrai, m'a grandi, mais par expérience que me fait, je dis, je me compte que la vous m'a tracé. Amen. Parce que moi qui l'a parlé là, je dis, c'est pas projet, pas dans ça. Amen. Moi qui oblige, je retourne descendre avec en Haïti là, c'est pas projet, pas dans ça. Mais. Quand c'est petit bon Dieu, on parle de qui projet. Dieu est seul des projets. Amen, amen. Amen. Donc ça, c'est une réalité. Donc c'est peut-être ça, ou pas qu'il doit pour tout y être, tout y chercher, faire les choses. Non, pas bien chercher, faire les choses. Dieu a fait toute bagaille. Wow, wow, seulement, ou seul bagaille pour faire, ou même c'est juste rester dans ça que tout. Ça veut dire de pourrir, tu vas servir. Dieu que tout là, et puis bénédiction à privé, je Amen. Quand même avec Dieu, je vais te croire dans ça, tout ça, Dieu dit, je dis oui, amen. Eh bien, ça fait rentrer quand même. Donc, ni moi ni vous, dans la condition ça, c'est comme ça que le doyen pour nous. Donc, c'est ça pour permettre que moi, avec vous, nous rester. Et puis, Dieu lui-même l'a fait toute bagaille. Alors, souvent, ça crive l'homme. C'est parce que nous-mêmes, nous agissons dans. Comment on dit, moi nous agissons peut-être nous comme si. Pour faire, ouais. Alors, dans folie. Nous agissons dans folie. Vous, bonne bagaille, moi, avant, nous besoin de. Et pas folie, oui. Pourtant, je vais vous donner un petit exemple. Les plus valables dans le pays sont développés, mais ici tout peut-être ça qui arrive. Vous connaissez souvent Haïti, il y a des gens qui ont toujours des problèmes parce que c'est servant de bonne durée, parce que vous faites vivre, vous marchez, vous avez une pièce qui vous donne. Hein? Vous avez une pièce qui vous donne. Nous avons un grand monde qui a été quitté les gagnants. Il y a un petit peu de temps. Vous avez besoin de vous mourir. Vous faites l'alca ou l'autre. Bon, on m'a dit, et puis il y a un petit cas en tol pour lui, bon, laisse à votre côté, bye, longtemps, petit cas en tol, et puis qui a un bloc monté là-dedans. Et bien, quand il a fini, jour le fini, il y a le monde. Donc, comme ça, ça veut dire, que ça pas né pour le entrer dans le cas en tol, quoi que ce soit. Qui sont qu'à faire pour son monde? Donc, ça veut dire, c'est même gens, on a dit, me faire vivre après le cas, mais c'est volonté, mon Dieu. Amen. Ouvrez pour le cas, mais mon Dieu, qu'on est sous le cas.
ou pas humilier tel monde. Les monde vini ou humilier moun ou gen moun ki rentre la caillou ou gen mot moun ki pa ka rentre la caillou. Debout konso pa ka servante ni serviteur bon Dieu. Ou perdit clair. Amen. Mais quand mon Dieu va le perdre, lui-même, il va compter quoi que tu as pour gagner, si tu te dis tout est accompli. Amen, amen. Donc, il ne peut pas faire lui-même, il même pas baoul. Et vous-même, si mon Dieu était là, il était de baoul. Et parce qu'il dit bon Dieu, pas qu'à bon Dieu, et pour le méchant Dieu à la fois. Mais si tu es méchant Dieu, tu as baoul, tu as tout perdu. Pour que c'est-il un homme de gagner le monde entier, si personne n'a ou mettre tout le monde entier, mais après, ça est sous perdu. Vous comprenez? Donc ça veut dire ça qui est important, Dieu lui-même c'est lui qui fait pour moi avec vous. Amen. Ça veut dire lui bah nous la vie éternelle. Les choses spirituelles c'est le plus important. Amen. Donc si vous frère la ligue discaille, et pas ça pour bon jalousie, pour des problèmes ou ça. Non. Qui est pour des problèmes, c'est lorsqu'on a frère Janak lui-même spirituellement l'évoluer par son. Pour dire bon Dieu, ça va passer là. Amen. Comment elle fait monter passer mais puis moi-même matin là. Parce qu'il faut monter tout moi-même. Parce qu'il va pas aller bien bomba aller. Mais quand il a passé, tout le passé, tout le bagage, net a passé. Nous prenons les quitter, tout le monde, nous avons des exemples, nous avons des gens qui sont déjà, nous avons des aller, des bagages, nous aller, ou quoi que ce soit. Mais qui s'est arrêté seulement? Moi, avant, pour ces paroles, bon Dieu, arrêté, non? Mais il fallait que nous prenions deuxième étape là à cœur pour nous capables de sanctifier, car il dit dans Hébreu, il dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et sanctifier, vous l'avez dit qui ça? Il écrit encore dans Jean 17, verset 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Donc, une seule bagage qui a sanctifié nous, c'est la vérité. Amen. Comme Jésus-Christ a dit avec Nicodème, si vous parlez d'eau et d'esprit, quand on parle de la Bible, quand on parle de l'eau, c'est la parole. Parce que si on prend, lorsque il dit si vous parlez d'eau et d'esprit, il veut dire si vous pas né de la parole et de l'esprit. Parce que l'éclair dans Jean 15, il dit vous êtes pur. Parce que, ou déjà, parce que nous recevons la parole, mais déjà. Et dans Ephésiens encore, chapitre 4, chapitre 5, lorsque la parole de l'église là, il dit l'église là, lui-même, il lavait avec l'eau de la parole. Dans titre encore, il parlait de la régénération, un bain de régénération, titre chapitre 3. Un bain de régénération, ça veut dire que c'est la parole qui pourrait régénérer. Même avec vous, il faut régénérer. Mais comment pour régénérer? Ça veut dire régénérer, ça veut dire naître de nouveau. Et comment? C'est ça veut dire qu'il fallait que nous naissions de la parole. Parce qu'une gauche de l'unité, la parole doit dresser nous pour faire vivre l'autre gens. Et après, nous finissons faire étape ça. Ça veut dire que, j'ai que le monde lui-même y a. J'ai le monde parler moi-même avant, nous ne devons pas parler comme ça. J'ai le monde mener une ville dans le travail. Il ne pas respecter boss, il ne pas respecter ceci. Nous n'avons pas de droit. J'ai le monde vivre dans le cas en famille. Nous-mêmes, nous ne pas même gens avec lui. Parce que la Bible répond avec toutes questions ça. La Bible a une modalité, tout jeu pour tout le monde lui-même y aller. Amen. Donc, j'ai le monde lui-même qui concevoir les choses, nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller même dans le monde. Quand il vient à la mode, il y a la mode qu'on finit de profiter par elle, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Un garçon qui a un garçon par elle, non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Amen. Donc, ça veut dire, nous avons un tout le bagage net dans le monde. Ça veut dire, tout le bagage, c'est le diable qui vient avec eux. Yes. Mais comme c'est la parole de Dieu, de jeune accomplissement, le monde, c'est le monde, et puis nous-mêmes, c'est nous-mêmes. J'ai que le monde lui-même, il prend un bim, il met sous lui, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire un bim. Est-ce qu'on a prédit carte et bibou quand sont en bas d'eux? Non, ça c'est bagaille le monde. Oui, ça c'est bagaille le monde. Ça dit le monde, il y a des gens qui l'habillent. Nous-mêmes, tous, il y a des gens qui l'habillent. Je demandais lorsque l'habillé, dans le conseil, il dit d'aller à l'écouvrir des mon Dieu. Je demandais, on fille, on va m'habiller, il faut couvrir quoi? Oui, ça c'est la parole de Dieu. Tout simplement. C'est la parole de Dieu. Il faut couvrir quoi? Pour qui raison? Parce que il est vraiment dangereux pour une soeur lorsqu'on marchait dans le vent. L'homme dit dans le vent, ça veut dire, il y avait petit calbagaïs ou quoi que ce soit. Parce que, il dit dans la parole de Dieu, il dit, si un homme garde une femme avec un autre esprit dans la tête, il commet adultère, il même ensemble avec la femme. Ou quand la gravité qui est dans ça, c'est que vous ne pouvez pas prendre sur adultère. Ah oui! Ah, ou vous avez perdu pour ça, pendant ce temps, vous ne pas confesser. Pas tout péché, pas confesser. Il dit tout était. Vous ne pouvez pas prendre adultère, vous ne pas confesser. Mais pourtant, c'est un adultère parce que tu es mal habillé, il y a un monde qui gado et puis tu es gado avec un autre esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est des précautions à prendre pour nos soeurs. Ça, c'est important. Amen. Donc, c'est ça. La Bible, il y a toute trace pour le monde et lorsque c'est votre bon Dieu, comment ou même on doit comporter. Et c'est vrai, aux États-Unis, et fille ou quoi que ce soit, mais comment vivre avec mari ou quoi que ce soit, même chose aux États-Unis. Et pas soit passé là, hein. Ou pas de la Bible même bien. Amen. La Bible dit, qui ça la Bible dit pour madame avec Marie? Eh bien, sans elle dit, elle dit bouffe. Dit tout doit obéir avec moi.
Son femme vêtue les jours, il doit toujours bien prendre son corps bien habillé. Et puis il dit, il faut obéir avec ma roue. Ça lui dit, il faut qu'on ait une soumission complète. C'est la parole de Dieu. C'est vrai, oui. Dans ton avis là, mesdames, vous parlez ça. Mais nous dit que c'est parole de bon Dieu. Amen. Non, mais c'est parole de bon Dieu. Les sous-mondes veulent servir votre bon Dieu. Vous êtes obligé de prendre. Mais si vous parlez de votre bon Dieu, vous voulez même bien avec mon roue à blaguer. Donc c'est ça. Donc, ou sous autorité mariée. Même dans le pays étranger, il n'y a pas comme ça. Mais nous dit que la parole de Dieu est universelle. La Bible est universelle. Quel que soit côté monnier, c'est la même parole là. Donc ça veut dire, si vous voulez servir votre bon Dieu, il faut d'accord avec. Même Jean pour Marie, tout le monde, pour aimer madame, pour chérie, pour quoi que ce soit. Donc ça veut dire, ça est tout évident tout pour mon Dieu faire tout. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire, la vie de la famille, si vous avez tout demandé pour respecter les parents. Donc, pas qu'à Timoun, c'est vrai, même si vous avez un grand âge, mais on prétend que vous êtes capable de faire ceci pour qu'on vous fasse cela pour qu'on vous voulez quitter Kaila des fois parce que vous avez besoin d'aller. Quand vous faites ça, les enfants, vous payez ça puis devant. Cher. Ah oui, vous payez puis devant parce que les parents, vous avez pile ou que vous. Les gens, ils aiment prendre un minute tout là, bon, fini. Et puis, donc c'est ça parce que c'est ça la Bible. La Bible, il baille pour famille, il baille pour parents, il baille pour Timoun, tout ça. Donc même si il y a un gros jeune garçon là, depuis qu'il vient devant maman, il s'est baissé tête. Pas que ça pièce. Vous ne comprenez pas? Même si c'est vrai, même si il dit que c'est prédicateur, il est arrivé devant madame de la tout. Alors maman. Il est arrivé devant maman. Ça c'est petit avec maman. Il faut que respect. Donc si pas comme ça, c'est qu'il m'a servi de bon Dieu. Ça, c'est réalité. Ça, c'est parole de bon Dieu qui est. Et si vous n'avez pas accepté parole de bon Dieu pour sanctifier, troisième étape là. Qui c'est l'étape finale là, ça veut dire qu'il faut baptiser du Saint-Esprit et à ce moment-là, où réellement petit bon Dieu. Exemple, Jésus-Christ, lorsque il a baptisé, lorsque il a sorti notre loi, il a rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire baptisé du Saint-Esprit. Yes. Ça c'est troisième, c'est notre troisième étape là, il tombe, il baptisé du Saint-Esprit. Et puis qui sort en des voix, il dit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon âme. Amen. Donc ça veut dire que. Lorsqu'on arrive à l'étape ça, on vient totalement disposé et disponible pour le Seigneur. Amen. Donc c'est Dieu qui agit dans nous net. Amen. Amen. Donc on vient pas dans nous même encore. Donc ça veut dire c'est Dieu seulement qui l'a. Et lorsqu'on arrive à l'étape ça, il n'y a pas qu'un rien qu'à faire. Ou est-ce que des gens qui viennent dans l'église, ils baptisent après sont en train de tourner dans le monde. C'est parce qu'ils étaient juste dans la première étape là. Donc il fallait qu'on franchisse l'étape, qu'on prenne sanctification pour mettre au pas. Pour retenir la parole de Dieu, parce que c'est lui qui a la voix et sanctifié. Et l'arrivée, et l'offre de sanctifier, lui automatique pour baptiser du Saint-Esprit. Il faut le remplir du Saint-Esprit. Et lorsqu'on remplit du Saint-Esprit, donc c'est l'âge où l'on veut que laisse un miracle qu'à faire contre ou encore. Parce que laisse ça, c'est laisse ça capable de dire que vous scellez. Léo dit scellez du Saint-Esprit, c'est même j'en remplis ou bien baptisé du Saint-Esprit. Scellez, vous l'avez dit. Léo scellez en bagage, ça veut dire, c'est fini. Le met ton saut sous lui, ça veut dire, c'est fini. Donc c'est pas lorsqu'on baptise dans l'eau, on l'a scellé, non? C'est une première étape pour nous continuer à vivre avec Dieu pour qu'arriver. Mais l'arrivée dans la dernière étape, sur celle du Saint-Esprit, on va partenir avec Dieu. Comme il dit que c'est un gage que lui, dans Éphésiens. Il dit son gage que lui, pour le jour de la rédemption. Ça veut dire qu'il y a un gage. Gage, il dit son bagage au bas où il a dit déjà. Il dit bon bagage pour qu'il y ait un bagage là. Non, mais on a un bagage là déjà. Réalité, on a déjà. Mais on a ça comme gage.